What? Bonsoir, je suis Slime Rizzy. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des jeux tels que Deadpool ou encore Life is Strange. Et aujourd'hui, je vous présente Sky Factory épisode 4. Voilà l'intro que j'ai pu faire sous vos yeux ébahis. Imitation de salutation, de... Enfin voilà, une salutation que j'ai imitée. Mal sûrement, mais je m'en fous. Je suis pas doué pour les imitations. Néanmoins... j'avais envie de faire ça parce que je trouvais que c'était une bonne idée d'imiter plusieurs salutations. Hein. Bon, voilà. Je pense que ça peut être une bonne idée. Salut. Ah, salut. Voilà, avec mon petit slime sur la tête. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous allons faire. Parce que j'ai préparé un programme, hein, évidemment. J'ai regardé un peu. On va regarder. Voilà. Stone Age. Bah pour l'instant, on va rien faire de tout ça puisque d'abord j'aimerais automatiser un peu ce qu'il y a. Donc, parce que le but ce sera d'automatiser la majeure partie de nos trucs à faire. Et j'aimerais commencer par ça parce que c'est très bien hein, de pouvoir miner à l'infini. Voilà. Mais j'aimerais bien que ce soit automatique. Alors, j'ai rajouté... J'ai activé le ressource pack du jeu, puisque il y était et je ne l'avais pas vu. mais bon, voilà. Sinon, à part ça, ça change pas grand-chose. Il y a quelques trucs qui changent, quelques trucs assez marrants, donc j'ai voulu le mettre. Voilà. Bon, ça, j'avais envie, depuis le début, de... casser ça. De toute façon, je vais devoir le casser. Je vais devoir le casser après. En soi, je peux laisser comme ça pour l'instant. Mais pour automatiser, je vais devoir je vais devoir utiliser tout ça. Donc, on va faire... on va voir un peu ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une transfert node. Qu'est-ce que c'est que la transfer node? Donc, item. Vous allez voir. Ah, je ne vais pas vous le dire. Je vous laisse le suspense. Mais pour ça. Bon, alors pour ça, il va m'en falloir 4. Hein, donc, on va directement passer ça. Alors, passer par là. Il me faut de la redstone, 2 stone, un coffre. Le coffre, c'est facile. La stone, c'est facile. La redstone, je crois que j'en ai. Là, il me faut plusieurs... Enfin, il me faut une pipe, mais... Oh, la blague. Faites-moi une pipe. Oh no, God! No, God, please, no! 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 Bon, ok. Il me faut donc des pipes. Les pipes, on va voir ce que c'est. Bah, transfert pipe, hein, on va faire, puisque je crois que c'est la plus facile, voilà. Stone slab... Donc, il va me falloir de la stone, hein, quand même. Glace, ok. Ça, rien de compliqué. Il va falloir que je farme un peu de terre. De la redstone, encore. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a de la redstone? Non, peut-être là. Un redstone! Wouhou! Bon, bah, écoutez, je vais farmer tout ce qu'il faut. Et je vous dis à tout à l'heure. Hop là, petite correction, avant de farmer ce qu'il faut, je vais farmer l'enderpearl. Enfin, je vais faire en sorte de pouvoir avoir de l'enderpearl. Et ça, je veux vous le montrer à côté, enfin avec vous, parce que, voilà, il faut que je vous le montre. Et pour ça, on va faire cette quête, Make Dark Room. Alors, une Dark Room, qu'est-ce que c'est? Donc, un 25 blocs, on va partir de là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on va faire à peu près ici. Je n'ai pas pensé. Bon, je vais poser hop, ici pour m'en rappeler.
Et pourquoi 20 hein? Parce que je vais encore allonger là, ça fera 25, hein. Y a pas de souci là-dessus. Non! Fuck! Il y a un petit timer, c'est bien aussi ça. Alors, il me faut du bois en masse. En masse, on va prendre tout le bois. Hop, il va me falloir plein de slabs. Hop, je vais... Allez, hop là. Voilà, ça fait beaucoup de slabs, mais je pense que je vais avoir besoin de tout ça, donc nickel. Nickel, nickel. Alors, je vais faire une petite plateforme. Oh non! J'ai failli tomber. Au secours. Du coup, je sais plus. On va la faire là. Hein. Je vais faire une petite plateforme et je vous dis à tout de suite. Là, une belle petite plateforme. Alors, à quoi va servir cette plateforme? Alors, déjà, il va me falloir encore des slabs. Voilà. 63, ça devrait suffire. Alors, à quoi va servir cette petite plateforme? On va commencer par faire... Bon, moi, je mets des slabs parce que je suis un hauteur en dessous, mais en principe, il n'y a pas besoin de slabs. Voilà, une rangée, comme ça. Hop là, j'ai l'impression qu'il y a des petits lags, quand même. Une rangée comme ça de planques. Je sais où tu te caches. Voilà. Hop là. Alors, le fait que je sois un cran en dessous, ça va me permettre de taper les mobs plus facilement. Parce que oui, on va faire des spawners à mobs. Wouhou. Et pour ça, il va falloir que je grimpe. oui, du coup, je suis dans le caca. Voilà. Voilà, ça va être enlevé, hein, évidemment. Donc, comme vous avez pu le voir, il va falloir que je fasse spawn des Endermen. Et pour faire spawn des Endermen, il va falloir 3 de hauteur. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on va faire au-dessus. Voilà, un cran au-dessus. Hop là. Voilà. Ah non. Voilà, donc en gros, on va faire un cran au... Ah merde, voilà, je suis tombé, évidemment, hein, évidemment. Voilà. Alors, en appuyant sur la touche F7, on voit des petites croix comme ça. Ça veut dire que ici, les mobs peuvent spawn. Comme les croix sont jaunes, en fait, ils spawnent que la nuit. Là, il y a trop de lumière pour qu'ils puissent spawn le jour. Et une fois qu'ils seront rouges, ça voudra dire qu'ils pourront spawn même le jour, puisque la salle est entièrement noire. Noire, ou la noire, ouais d'accord. N'importe quoi le mec. Donc on va agrandir ça. Hop. Non. J'espère que j'aurai assez. Ah, bloc. Bloc. Voilà, allez, en soi, j'ai pas besoin de couvrir là-haut, donc je peux couvrir à partir de là. Ça va me faire une économie de bois, parce qu'il en faut quand même pas mal.
Tac, 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 tac. Raté. De l'autre côté, pareil, j'ai plus de bois, donc on va aller chercher ça. Déjà, je peux gagner un bois avec celui-là. Je vous expliquerai pourquoi. Non, en fait, c'était pas avec celui-là, c'est plutôt avec celui-là. Voilà, ça, on s'en fout en soi. Voilà. Oui, je suis pas au bout, là. Là, est-ce que je suis au bout? Oui, je suis au bout. Raté! Celui-là aussi, je peux le casser. Voilà. Voilà, déjà un côté. Allez, on va chercher du bois. Masse bois. Ah, je commence à avoir faim à force de courir comme ça. Je suis dans la merde, j'ai plus de bois. T'es sérieux, là? J'ai plus de bois? Bon, ben, je vais farmer ça en scred, hein, vite fait. Et voilà, la beauté du montage, hop là. Et donc on va finir, hein, on va continuer. J'espère que j'ai assez, parce que du coup, si j'ai pas assez, je passe pour un con. Ici, on bouche aussi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, enfin fini, donc rien de bien compliqué. Le but étant que, évidemment, les mobs spawnent dans l'obscurité, donc le but étant de faire une pièce totalement sombre. Sauf que, c'est pas sombre du tout, hein. C'est sombre la nuit, mais basta quoi. Alors pour ça, on va rajouter des slabs, hop là. On va rajouter des slabs tout le long. Raté. Raté encore. Voilà, des slabs là, ici, ici aussi. En soi, j'ai... Hop là. Voilà, ça fera un cran de plus, c'est pas grave. Ici... Et tout le long. Hop là. Ici c'est spawnable. Hop là. Donc on va casser ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir au fond, c'est devenu rouge. Ça veut dire que... Eh merde, j'ai plus de slab. Aïe aïe aïe. Et là, comme il fait nuit, il risque d'y avoir des mobs. Alors on va se dépêcher. Là en gros, ça veut dire que les mobs... peuvent spawn. Voilà. J'espère que ça suffira. 12. Normalement, ça devrait suffire. Et là, déjà, ils ont spawn. Eh ben, putain. Ils ont pas chômé, hein. Évidemment, je suppose qu'ils peuvent descendre. Alors, on va se dépêcher de bloquer le chemin. Hop là. Et voilà. Ils peuvent plus descendre. Et ils ne me voient même pas. Crisper. Oui. What? C'est du bacon. Donc on a déjà un zombie et un creeper. Pas mal. On va se faire une petite épée histoire de... Et normalement, les Endermen peuvent spawn, hein, donc. Hop. On va casser un de pierre. Fuck. Fuck. Voilà. Donc ah, là, voilà, vous... Oh putain, oui, c'est vrai. Enfin, vous voyez, ici, ça peut spawn, mais bon... C'est pas très grave.
Ah oui, effectivement. J'ai oublié de vous dire. bah du coup, ouais. Ah oui. Ah, calme-toi, calme-toi. Ah, non, 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 non. Non, me tue pas, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai encore des vidéos à faire. Putain, évidemment, il pleut, hein. Oh, putain. Et là, je respawn au milieu des zombies. Ce fail, ce gros fail. Ce gros fail. What? Je me fais assassiner. Au secours. Je vais mourir. Mon dieu. Allez, je vous dis à tout de suite. Regardez ces flammes. C'est le créateur de la map, les flammes. Ah ok, je suis mort. Ah en fait ils m'ont brûlé. Ah je peux rien faire, bordel. What, 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 ils sont en train de brûler comme pas possible avec. Brûlez en paix, laissez-moi tranquille. Pourquoi il est pas mort lui? Crève. Donc voilà, alors c'est l'erreur que je voulais vous montrer, mais que du coup, ben, j'ai fait. Bon, c'est pas très grave. Par contre, j'ai perdu encore tout mon stuff, super. Super, super. Alors déjà, bon bah elle est faite, elle est pas entière, mais elle est faite, voilà. J'ai plus de bois évidemment, donc on va devoir prendre du bois avant avant de me faire tuer à nouveau la nuit. Parce qu'il va falloir que je fasse des slabs. Alors il y a slabs ou alors des torches, hein, mais je préfère des slabs. J'espère que j'en aurai assez. Parce que du coup, je vais pas avoir 16, 16, ça fait pas beaucoup. Et il y a déjà des Endermen qui sont apparus, c'est bien, c'est une bonne chose. Par contre, je sais pas comment je vais arriver là-bas, puisque les squelettes, ils ont pas l'air de vouloir brûler. C'est problématique tout ça. Problématique. Pourquoi il veut pas brûler le squelette? Hop là, une pomme, je vais la manger. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils veulent pas brûler eux? Brûler, bande de... Ah! Fuck! Brûler, bande de chiens! Je suis dans l'eau. Bon bah je vais mourir, je le sens. Hop. Vite! J'ai réussi! Fuck! Mais lâche-moi! Je vais te mettre la pâtée, tu vois! Vas-y, crève! Crève! Ah, enfin, il brûle! Tiens, un de moins! Hop là, je lui passe derrière, moi, je lui passe derrière, je le laisse pas tirer, moi, rien à foutre, je lui passe derrière et je le tue à main nue. Bim dans ta gueule. J'ai pas compris. What? What, what, what? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai pas compris, là j'ai vraiment pas compris. Du coup, l'autre, il se TP, c'est le bordel, c'est le gros bordel chez moi, vite. What? Il a un smoking, l'Underman. Bah, du coup, je l'ai regardé, évidemment. Oh, le gros bordel. Je fais n'importe quoi. Évidemment, j'aurai jamais assez avec ça.
Bon, je vous dis à tout de suite, j'essaye de réparer ça. Re tout le monde. Et donc on se retrouve hein, au-dessus du... Au-dessus de d'ici, hein, du... De la cage à mob défaillante, parce qu'il... voilà, faut dire ce que c'est... Ça m'a complètement assassiné. Et on met des slabs au-dessus, ou des torches, hein, comme vous voulez. Mais bon, moi je préfère des slabs. Ça fait plus joli, même si c'est pas super beau déjà de base. Bon, c'est pas super grave non plus. Hein. Voilà. Hop là. Et pareil pour ici. Vite avant qu'il fasse nuit. Quoique, ça peut pas spawn à... Ça spawn à 25 blocs de moi, donc... Normalement, je devrais pas avoir de soucis. On va faire gaffe de pas être à 25 blocs quand même. Et normalement, ça devrait plus pop. Je dis bien normalement. Il devrait plus y avoir de soucis. Voilà. Ça. On casse ça parce que... Ben voilà, parce qu'il faut. Il faut bien que je redescende. Et que ça peut se pop dessus. Spop, ouais. Ça peut pop dessus. Et voilà, normalement, plus aucun souci. Je vais replanter les Oak Saplings parce que... Si je l'ai pas déjà fait, en fait. Si, je l'ai déjà fait. En attendant, il y en a plein qui sont tombés. Il reste pas du bois, nickel. Voilà, ça me fait un peu de Oak Saplings de toute façon. C'est pas perdu. On va se mettre ici, on va attendre que ça pop. En attendant... Farmons le reste des objets pour notre fabuleux transfert node. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, ça spawn hein, à l'intérieur. Il ne me voit pas, je peux faire ce que je veux. Et what? 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 RW, t'es mort. Ouais, t'es mort là. Et bon, je peux les frapper comme bon je veux. Ouais. Voilà, je fais ce que je veux avec eux. Ok! Mec, c'est le gars de One Piece, en fait. Bon, voilà, je peux les frapper, ils me voient pas, ils s'en foutent. Good, ok. Je sais pas si ça a des petits trucs, des petites significations ou quoi. L'Underman! On le voit... Enfin, il me voit pas, il peut pas se téléporter, du coup. Et j'ai pas eu d'Underpearl, tant pis, on réessayera. Par contre, j'ai eu des objets. Alors, voyons voir ce que c'est. Déjà, on va voir, est-ce que ça a une quelconque utilité. Loot. Alors, j'ai eu un common. Est-ce qu'on peut voir? Ah, on peut craft par contre des trucs un peu mieux, d'accord. Avec un common, on peut faire une rare loot 4. Bon, on va voir pour l'instant. Je vais quand même les ouvrir parce que j'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des saplines. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et dans les pick loot, oh, de l'émeraude. Division sigil. You must... Bon, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Peut-être plus tard. En tout cas, est-ce que je peux faire des trucs avec ça? Ah oui, ça va être utile pour beaucoup de choses. Ok, ok, bon ben, on va quand même poser. Voilà, je pose là le tofu, on s'en fout. C'est de la viande de zombie, hein. Gunpowder, redstone. La redstone, j'en ai besoin. Ah non, merde, je suis con. Voilà, ça c'est le stuff que j'ai besoin pour faire les crafts. Alors, voyons voir. Bon, je vous dis à tout de suite hein, quand j'ai l'underpearl parce qu'on va pas passer des heures. Et re tout le monde, me voici avec l'underpearl. Donc j'ai farmé un peu de mobs, hein, voilà, bon, j'ai eu quelques trucs, mais rien d'exceptionnel non plus. Alors, nous avions dit donc qu'il me fallait une transfer node. Comment on fait ça? Hop là, transfer node. Donc pour ceux qui connaissent pas, si en appuyant ici, hop là, ça vous transfère ce qu'il faut... Ah oui, évidemment...
C'est d'abord la transfert pipe qu'il me faut. Alors voilà. Ça transfère ici le craft et on peut directement le faire tranquillement. Hop. Hop, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, hop, hop. Et ça m'en fait 8. Nickel. Ensuite, le transfert node. Non, c'est ça. Non plus, c'est pas celui-là, c'est celui-là. L'underpearl. Les deux redstone. Les stones et le chest. Et pourquoi ça ne marche pas? What? Ok, il y a un problème. Ok, bon, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais en le faisant manuellement, ça marche, c'est pas donc bon, rien de grave. Alors pourquoi il m'en faut 4, hein? Parce que après je vais faire un autre système pour avoir de la dirt automatiquement. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ça. Par contre, il va me falloir un autre coffre. Donc, hop. Voilà. Parce que vous allez voir que ça va aller vachement vite. Ah, et j'ai oublié quelque chose. Je vous dis à tout de suite, il va me falloir quelque chose d'autre aussi. Eh ben, ça fera beaucoup de beaucoup de petits de petites poses comme ça. Alors ce qu'il me faut en fait c'est le World, voilà, c'est ça, World Interaction Upgrade. Pourquoi ah merde, ça va être chiant à faire. Bon ben je vous dis, je vais farmer, hein. Je vais farmer comme un malade pour avoir tout ça. Bon, ça devrait pas être trop compliqué maintenant qu'on a la cobble illimitée, mais voilà. Alors à quoi ça sert? En fait, c'est une upgrade qui permet à un objet de creuser, tout simplement. Ça creuse le bloc en dessous. Enfin, le bloc relié à la node. Bon, allez, je fais ça et je vous dis à tout de suite. Heureux, les amis! Et voilà, ça y est. Tout est au complet. Hop, hop, hop. C'est pas comme ça qu'on fait. Je sais plus comment on fait. Non plus. On va voir comment c'était, hein, je me rappelle plus. Upgrade. Voilà, c'est ça. Ah, il me faut du lapis. Alors, bah, j'en ai eu. Ouais, j'en ai eu avec des mobs, donc tranquille, hein, dors mieux. Hop, 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 hop. Et voilà, nickel. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Parce qu'il faut bien y arriver un jour. On va mettre notre transfert node ici. Alors, vous allez voir comment ça marche. Ensuite, je vais mettre... hop, là, ils sont là. Mes transfert pipes. Au-dessus. Bon, il faut pas forcément les mettre au-dessus de l'eau. Mais là, je les fais passer par là. Et voilà, je vais en faire le trajet jusqu'au chest. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, il ne se passe absolument rien. Et ben, si je rajoute le World Interaction Upgrade, regardez, hop là, ça mine de la cobblestone. Et ça va à une vitesse fulgurante, hein, comme vous pouvez le voir, ça se remplit. C'est hallucinant comme ça se remplit. Et donc voilà, nous avons automatisé notre cobblestone générateur. C'est super, non? Et donc maintenant, à partir de ça, on va pouvoir avoir masse stone et donc masse de tout. Hein. Voilà. On va faire exactement la même chose avec la terre. Voilà, mais bon, ça sera un peu plus long, donc... Ça sera un petit peu plus long, donc je vais peut-être attendre un petit peu. Voilà. En tout cas, je vais en avoir besoin parce que la quête suivante, ça sera Make a Field of Grass. Donc, faire une terre d'herbe à 25 blocs pour faire spawner des animaux. Et après, bah, je vous spoil pas après, hein, vous aurez peut-être lu ou pas. On va tuer un petit peu des mobs histoire que de voir un peu tout ça. Voilà, pour la fin de l'épisode. Parce que je suppose qu'on en est déjà à la fin. Et... Oula, vous voulez pas mourir celui-là?
Allez, meurs. Ah, un chapeau. On va mettre ça. Alors, j'ai eu plusieurs chapeaux, hein, comme vous pouvez le voir. Mais celui que j'ai eu là, c'est, je sais pas ce que c'est. Head crab. Donc, la tête d'un crabe. Bon. Eh ben, voilà, j'aurai la tête d'un crabe. Ça ressemble pas du tout à un crabe, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Et là, il y a... What? Il y a plein de mobs bizarres. Depuis tout à l'heure, j'en vois. Ryan the Almighty. Je sais pas, c'est des mods, des modeurs ou... Enfin, des modos. C'est, je sais pas, des admins. Les gens qui ont participé au projet. Bon. Hâte de voir Bacon Donut. Hein. Staff of Traveling, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, pour l'instant, je sais pas, donc... tant pis. Eh ben, je vais vous dire au revoir, hein, puisque ça y est, c'est la fin de l'épisode, là. Je sais pas combien de temps, avec tous les petits... les petites pauses que j'ai fait, bah, écoutez, j'ai perdu le fil, hein. Franchement, j'ai vraiment perdu le fil. Et je sais pas du tout combien c'est, mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, hein. J'espère vous voir nombreux. Un petit pouce vert ou bleu, je sais plus. Écoutez, moi, je suis un vieux. Ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Bisous à tous, bye bye.